Salut à tous, aujourd'hui je reviens pour une petite revue, on va dire, qui change un peu l'ordinaire parce qu'on va parler beauté, mais on va parler bijoux en fait, tout simplement. Grâce à Emo Queen, elle a fait une vidéo très récemment où elle parlait d'un site en fait qui vendait des bijoux qui ne coûtaient pas très cher. Donc elle proposait un code promo, je suis allée, j'ai été un peu farfouillée sur le site et là je me suis dit non mais je suis obligée de faire une commande quoi. Je veux dire c'est tout limite à 3 euros. Oui, 3 euros, un petit bijou quoi. Donc bon, je me suis dit allez hop, j'y vais, je fonce. Du coup j'ai fait une commande avec ma belle-maman et d'ailleurs je la remercie énormément. Donc, parce que ça m'a fait super plaisir. Wow. Donc, j'ai fait une commande, écoutez-moi bien, le dimanche. Il devait être genre 18h. J'ai reçu mon colis le mardi matin. Oui, oui, le mardi matin de la même semaine, en 2 jours. Là, vraiment, alors le sérieux du truc, c'est hallucinant, quoi. Donc j'ai tout reçu dans une petite enveloppe comme ceci, donc voilà, qui était très très bien à l'origine, hein, elle est un peu vieillie là. Et en fait tout était emballé dans du papier bulle comme ça, mais il y en avait mais plein. J'ai même eu du mal à enlever chaque bijou. Donc je vais tout vous montrer et en même temps je vais vous montrer les bijoux pour ma belle-maman. Donc je vais tout de suite commencer par ces bijoux à elle. Alors elle a pris 2 petites choses. Elle a pris en premier un bracelet comme ceci qui est très 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 joli. Voilà, donc c'est un bracelet avec des petits motifs léopard. Donc je trouve qu'il est vraiment très 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 sympa. Voilà. En métal et vous avez comme une petite un petit ceinturon en fait très très joli, c'est très fin. Voilà. En deuxième, elle a choisi une petite bague, donc je vais vous la montrer. Donc tout est emballé dans des petits sachets individuels. Donc c'est une très jolie bague. Donc voilà ce qu'elle donne. Donc c'est un petit nœud noir en strass, très joli. Et en fait, vous pouvez tout simplement la régler à l'arrière. Donc ça va du 52 au 5, ou 60, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est, je trouve l'idée super sympa de pouvoir régler la taille de la bague. Parce que bah, souvent on se retrouve avec une bague soit trop grande, soit trop petite. Donc, ensuite, moi je me suis choisi cette paire de créoles qui sont dorées. Je pense que vous les verrez là sur ma veste. Très jolies, très simples, elles ont des petits motifs dessus. Elles sont assez grandes, je les voyais un tout petit peu plus petites sur le site. Mais bon, moi je trouve que c'est pas dérangeant. Donc elles sont dorées, ça change un peu, c'est très sympa, elles sont assez fines. Donc c'est pas gênant, ça donne un petit style un peu sympa, un peu fantasy. Donc c'est toujours, toujours cool. Ensuite, toujours pour ma belle-maman, elle s'est pris un deuxième bracelet. Et c'est un bracelet comme ceci, donc en cordon un peu noir. Avec des petits anneaux. Donc voilà ce qu'il donne. Je trouve qu'il est vraiment très sympa, très joli, très sobre, hein, avec la petite chaîne qui pendouille. Donc vous pouvez régler pareil à toute forme de poignet. Donc voilà, mais il peut faire vraiment assez sympa. Voilà, avec par exemple une petite veste noire comme ça. C'est toujours joli. Donc ensuite, moi je me suis pris une autre paire de boucles d'oreilles et vous allez voir que je suis à fond dans les triangles. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, je ne sais pas pourquoi.
Petit PS, on va dire, ne faites pas attention à ma tête, à la lumière, etc. Je sors du boulot. Je suis malade. J'ai le nez complètement pris. D'ailleurs, j'ai le nez, j'ai l'impression qu'il est tout rouge là en retour écran. C'est assez sympa. Donc, bref, alors, je retourne à nos petites boucles d'oreilles. Donc, je me suis pris cette paire-ci. Voilà, donc c'est une petite paire de deux triangles en fait. Je trouve qu'elles sont vraiment très jolies. Elles sont dorées. Je ne sais pas si avec la lumière on verra. Mais c'est très fin. Je trouve que c'est vraiment très sympa. Et voilà, je pense que ça peut être. C'est un petit style, mais je trouve que c'est. Voilà. Moi je trouve que c'est vraiment très joli. Je me suis pris une autre paire de boucles d'oreilles avec des triangles. Qui est cette fois-ci un petit peu plus imposante que les autres. Donc elles sont comme ceci. Donc c'est deux petits triangles, un petit et un beaucoup plus grand. Donc voilà, je trouve que c'est toujours très sympa. Elles sont assez imposantes quand même. Mais voilà, je pense que voilà, elles arrivent à peu près à la même hauteur que mes boucles. Il y a franchement top. On voit que. Ensuite, j'avais choisi une bague. Hop, je vais la passer. Voici la bague en question. C'est une fleur noire et dorée avec un petit strass au milieu. Je trouve qu'elle est vraiment très sympa. Pareil, donc vous pouvez la régler selon la taille de votre doigt. Vraiment, je trouve qu'elle est très jolie. Elle n'est pas très grosse, mais elle n'est pas trop petite non plus. Je trouve qu'elle a la taille parfaite. Je trouve qu'elle est vraiment très 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 sympa. Et je trouve que sur une petite robe ou quoi, ça peut faire vraiment tout son effet. Voilà, je trouve qu'elle est vraiment très 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 jolie. Et pour finir, je me suis pris un bracelet. En fait, c'était le même bracelet, je crois, que Emocline avait choisi. Mais elle l'a choisi en couleur. Alors que moi, je l'ai choisi dans les teintes un peu plus automnales, on va dire. Et c'est un bracelet en perles qui est très sympa. Alors attendez, hop. Voilà, je vais le passer. Donc il est très joli. Donc il y a vraiment beaucoup de chaînes hein, avec les petites perles dans les teintes un peu marron, café, beige. Et blanc un petit peu, et sur le dessus ici vous avez une petite bande en fait de strass et de doré qui sépare le bracelet en deux, on va dire. Et voilà, je trouve que c'est très très sympa. Et donc vous allez me dire, c'est bien beau, tu nous parles même pas des prix. Non mais n'importe quoi. Alors le tout avec les frais de livraison, 22 €. 22 €. Oui, vous avez bien compris. 22 €. Autant dire que franchement, foncez. Donc voilà, je vous mets la petite carte. Donc c'est delicebeauty.fr. Donc c'est une spécialiste du bijou fantasy. Donc franchement, je vais vous mettre son adresse mais en barre d'infos. Mais allez-y. Donc j'ai pas de code promo. Hein. J'ai pas eu à faire directement. Avec elle, enfin avec la créatrice ou avec le service client, j'ai fait mon achat moi-même toute seule sans personne. Mais voilà, elle a mis sa petite carte dedans et je voulais vraiment vous en parler parce que je trouve que ça vaut vraiment vraiment le coup. Et je pense que là, pour les fêtes de Noël qui approchent, je pense que c'est vraiment le genre de petits cadeaux quand on a un petit budget, mais voilà, où on peut offrir peut-être 3 ou 4 bijoux à les moins de 15 € frais de port compris, et du coup ça peut faire ultra plaisir quoi.
et vous vous ruinez pas. Et franchement, au niveau de la qualité, pourtant en général, j'aime bien les bijoux fantasy, mais j'aime pas quand ça fait non plus trop plastoc. Alors que là, franchement, je suis vraiment ravie, ravie, ravie. Voilà, c'est vraiment super joli, très fin. Je trouve que voilà, moi je ne suis absolument pas déçue. Et vraiment, je vous recommande, c'est pour ça que je vous fais une vidéo, sinon je ne vous en aurais pas parlé. Donc voilà, écoutez, si jamais vous connaissez déjà ce site, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Si vous allez passer une commande ou aller jeter un petit coup d'œil, dites-le moi, ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que vous en avez. Ce que vous en avez pensé. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, le petit bon plan vous aura plu aussi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Avant, un petite parenthèse, il y a quelqu'un qui voudrait vous faire un petit coucou parce qu'il fait des bêtises à côté de moi, hein. Et apparemment, lui aussi aime bien la bague. Pour faire ses dents, c'est assez cool. Hein? Ouais, bah apparemment, Bounty l'aime bien. Donc, bah écoutez les filles, si Bounty l'aime, voilà, c'est top. Écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.